on parle de communication référentielle quand les animaux sont capables, pas seulement de communiquer par rapport à leurs émotions, mais d'indiquer des choses précises en ce qui concerne des événements du monde extérieur. Et donc, c'est le cas, par exemple, chez les coqs qui vont pousser des cris d'alarme pour prévenir les autres individus d'un danger. Non seulement ils poussent des cris d'alarme, mais ça dépend du type de danger. C'est-à-dire, si c'est un prédateur terrestre, du type renard ou chien, il y a un type précis de cri. Et si c'est un prédateur aérien, comme un rapace, ça sera un autre type de cri. Ils vont aussi pousser des cris plus longs si eux-mêmes sont à couvert. Donc, s'ils ont moins de chances d'être vus par un rapace, par exemple, ils peuvent se permettre de pousser des cris plus longs. Alors que s'ils n'ont pas de moyen de se coucher, de se cacher, il faut aussi qu'ils évitent d'être vus par le rapace.